Dogotala, CGTV, ma maman, CGTV, na ba papa, Michel Mayabu. Arlette Sita, Lix Kadima. Ma émission est kitoko culturelle, politique, religieuse. Tout le monde triche. Bien sûr, tout le monde, même le président de la RDC triche. Alors comment est-ce que moi je ne peux pas tricher? Donc nous tous on triche. Université. Pédagogie. L'université, tu es toujours changé, tu es toujours changé, tu es toujours tout ça. Donc, tu sais comme le sixième, non, il est là dans l'université. Bon, réfléchis. La première fois, tu es en troisième et même jour dans la classe. Parce que, par exemple, tu es en train de te faire un peu de temps. Tu es en train de te faire un peu de temps. Tu es facile. Tu es en train de te faire un peu de temps. Tu es en CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Salut, salut, fidèles internautes du monde entier. Merci de confier ce site au Congo Gold TV. Vraiment, il y a mon vieux Michel Mayabu. Je suis vraiment Sandrine Mongoza à votre service. Je suis vraiment en période d'examen d'État. Qui est vraiment en train de se faire. Bleu blanc par-ci par-là, et ça, c'est comme un décor qui est en train de se faire. Le dernier jour, il y a une dissertation et une minute aussi, il y a 4 jours. 4 jours, il y a beaucoup d'options. Ce qui est un centre de Kinshasa, c'est le lycée technique de Matongé, il y a une école de Belé, il y a une par-ci par-là, il y a une différence. Pour aller à la place, je vais passer l'examen de l'État. Alors, on a reçu élève par élève, avec l'intention, position par rapport. Il y a un examen qui, en général, qui n'est pas en train de se faire. Mais la classe continue toujours comme ça va finaliste, comme ça va finaliste, comme ça va finaliste. Comme sur le lobby, et aussi, il y a un cadre qui n'a pas de la belle. Voilà, on a reçu quelques bannes, il y a un futur étudiant. Bonjour, Yaya. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Parle en français, ça ne te dérange pas? Hein? Non. C'est comment ton nom? Ritz Boloko. Ritz Boloko, tu viens de quelle école? Complexe scolaire Toussez-vous. C'est dans quelle commune comme ça? Kassavubu. Ah, toujours à Kassavubu? Oui. C'est ici votre centre? Oui, ici. Comment s'est passé l'examen? L'examen s'était bien passé. Tu es sûr? Oui. L'anglais était difficile, je t'ai entendu parler. Oui, c'était bien passé, mais... Hein, mais quoi? C'est examen en retard pour... Tu es venu en retard? Oui. À quelle heure comme ça? À 11h. Vous êtes venu à 11h. Vous avez une heure de temps seulement pour travailler. Oui. Tu es sûr de ça? Oui. Et pourquoi? Si tu n'as pas de macarons, ne fais pas l'examen. Ne pas avoir de macarons, c'est-à-dire quoi? Tu n'as pas payé les frais ou quoi? Si tu t'es payé les macarons à le centre, si tu t'es payé les macarons au centre, on te donne. Mais à l'école, si tu as les dettes des frais scolaires, on te donne. Non, on ne te donne pas les macarons. Il n'y a pas moyen de travailler, il n'y a pas moyen de faire les examens. Oui, en retard. En retard? Oui. Tu avais eu pour toi avant ou en retard? Avant. Tu as payé des frais? Oui. Bon, pendant une heure de temps, comment tu as pu travailler pendant une heure de temps? Parce qu'il y a beaucoup de questionnaires. Moi, je suis passée par là. Parce que moi, je suis très intelligent. C'est vrai ça? Ah, les internautes, je suis sûre de ça. Ah, tu es très intelligente. Tu es sûre de recevoir ton diplôme? Oui, je suis très sûre. Tu es très sûre? Tu as deux personnes à saluer? Oui. En Europe, tes grands frères, ta grande soeur? Je salue mon tonton Benoît, il est en France. Et ma tantine Flore, il est aussi en France. En France, hein? Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire du gouvernement par rapport au retard des examens? Pour le retard, l'examen, moi, il faut arranger pour les enfants de l'organisation, pour les enfants de cette année. Merci beaucoup. Merci. See?
Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Comment je t'appelle? Je m'appelle Moukalaï Maïla La Grâce. Comment? Je t'entends pas bien. Moukalaï Maïla La Grâce. Grâce, hein? Oui. Tu viens de quelle école comme ça? Complexe scolaire Kantou. Kantou? Oui. Juste à côté ici? Oui, tout juste. C'est où votre centre? Vers Yolo. Là, tu viens de Yolo? Oui. Ok, merci. Comment s'est passé l'examen? Les examens, ça s'est bien passé du début jusqu'à la fin comme ça. On a bien travaillé donc. Je suis vraiment content, très content de tout. Je remercie seulement les dieux. Donc, il ne nous a pas triché. Il a triché. Ah, tout le monde triche. Hein? L'examen d'État. Bien sûr, tout le monde, même le président de la RDC triche. Alors comment est-ce que moi je ne peux pas tricher? Donc nous tous on triche. Vous tous vous trichez. Bien sûr, la tricherie. Donc on dit si tu es intelligent, tu dois aussi tricher. Ouais. Vraiment. Ouais. Tu fais quelle option? Je fais la maths physique. Maths physique? Oui. Les calculs n'étant pas compliqués? Même pas. Ça s'est très bien passé. Mais certains ont dit qu'il y avait un retard de macarons. À propos de macarons, vous n'avez pas payé, tu vas prendre un retard. Non, chez nous, il n'y en avait pas. Donc, on nous avait remis les macarons le dimanche. Même si tu n'as pas payé, on te donne les macarons? Oui, on nous avait remis les macarons le dimanche. Nous tous, on nous avait remis les macarons. C'est vrai? Oui. Vraiment. Maintenant, cette année, l'organisation par rapport à l'État, tu es contente de ça ou pas? Je suis très contente de ça. Ouais. Tu as deux personnes à saluer en Europe? Oui, je salue ma grande sœur. Elle est en Belgique. Il y a Nelly, il y a Charlotte, Isabelle, Mouessi, Estella, Gims, Lion, Myriam. Okay, oh, et ma maman chérie aussi, Feza. Tu es courageuse, toi. Que tu diras à quelle université? Moi, ISTEM. ISTEM? Oui. Tu es sûre de ça? Oui. Oui. Oh, j'ai oublié, je salue aussi mon chéri Patrick Boisulé. Bon. C'est son collègue, vous la mettez, un collègue, mais moi, la stima, vous n'avez pas encore l'écarté. Bonjour, ma chérie. Bonjour, tantine. Tu viens de quelle école comme ça? Du complexe scolaire Kanto. Ah, toi, tu es de Kanto seulement? Oui, oui. Tu es comment ton nom? Je m'appelle Kifakio Générose. Tu fais la maths physique? Non, moi, je fais la biologie chimie. Biologie chimie? Comment s'est passé l'examen alors? Oui, c'était pas mal du tout, c'était bien passé. Nous tous, nous avons très bien travaillé jusqu'à la fin. On ne s'est pas stressé, tout était bien passé. Quelle était la question qui t'avait compliqué quand tu as vu ça comme ça? Ça t'a compliqué, ça fait mal à la tête, c'était quelle question? Ah non, l'examen d'aujourd'hui, c'était vraiment trop sympa. On a très bien travaillé, il n'y avait pas de questions difficiles. Tu étais au maquis? Non, j'étais à la maison. Tu étudiais où? J'étudie seulement dans notre maison. À la maison? Oui. Vous n'avez pas fait un groupe d'études avec les amis pour étudier? Bon, en fait, on avait organisé ça, mais tout le monde n'était pas dispo. On a préféré que chacun puisse étudier chez eux à la maison. C'est vrai ça? Oui, oui. Tu seras à quelle université comme ça? Tu seras qui plus tard? Bon, plus tard, moi, je désire être un ingénieur en informatique, quoi. Je vais faire l'intelligence artificielle. Une fille? Oui, oui, pas mal. Encore avec des vues claires comme ça. Ça s'annonce déjà. Mais on salue deux personnes en Europe. Ah, ok, je salue ma tantine. Elle s'appelle Betty Akwebiwa. Ma tantine, elle s'appelle Betty Akwebiwa et mon oncle qui s'appelle Patrick Kayembe. Je vous dis merci et bonjour. Vraiment. Vous êtes des jumelles, avant que je continue. Ah non. Vous ressemblez avec vos vies claires. Ah bon? Vraiment. Yaya, comment t'appelles? Myriam, je ne réponds pas à Myriam. Myriam? Oui. Tu viens de quelle école? Kantou aussi? Oui, complexe scolaire Kantou. Et quelle option comme ça? La biologie chimie. Vous êtes entendu ou quoi? Non. Comment s'est passé l'examen alors? Oui, l'examen s'est bien passé. Quand tu venais le matin avant de voir l'examen, comment était ta tension? Bon, pour les premiers jours, ça a été un peu difficile vu que c'est pour ma première fois. D'accord, oui, c'était un peu. Là, j'ai tremblé un peu, j'avais un peu de stress. Mais maintenant, là, je suis habituée. Comment s'est passé le premier jour? La culture générale. Culture générale? Ouais. Au dada. Oui, on tremblait pour rien, c'était facile. Et le deuxième jour, alors l'anglais? Non, deuxième chose, c'était la cours d'option, la biochimie et la chimie. Ah, deuxième, c'est le troisième jour alors? La science, la maths et la physique. Alors le quatrième jour? Quatrième jour aujourd'hui, on a fini par le français et l'anglais. Tu n'as pas triché toi aussi? Ah non. C'était la maquille? Non, je suis à la maison. Toujours cours d'encadrement? Oui. Pourquoi pas la maquille alors? Ah non, j'ai préféré rester chez moi parce qu'à la maison, au maquis là-bas, il peut y avoir des distractions. Encore, on est entouré des amis. D'ailleurs, en classe, d'abord, on fait d'abord des rangements. Et au maquis là-bas, je ne pouvais pas y aller. Tu préférais étudier à la maison et cours d'encadrement avec les amis. Oui. Vous êtes choisis, les élèves qui sont brillants. Oui, on avait sélectionné un groupe, non seulement les brillants et un peu les faibles, non, pour les aider aussi. Équilibrer, oui. D'accord. Salut deux personnes. Ouais, j'ai salué ma maman et mon papa, c'est tout. C'est tout. Où sont ici?
Oui, ça, en Europe, j'ai sali mes tantines, tantine Violette et tantine Fifi. Comment plus tard, tu seras qui? Moi, médecin. Médecin? Oui. Tu as fait l'université où c'est? Au campus Salinikin. Ah, c'est vrai ça? Tu as supporté les 8 ans et les 5 ans, on traîne là-bas. Hein? Ah, mais non. Je suis encore jeune, non? Tu as supporté, hein? Ouais. Tu veux toujours étudier seulement au campus Salinikin? Oui. Merci beaucoup. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Voilà, toujours continuer l'interview. Tu as changé sur le centre, tu as une école, tu as quelques élèves. Même pour expliquer, tu as un examen. L'équipe est le quatrième jour. Voilà, bonjour Yaya. Bonjour. C'est comment ton nom? Khadija. Khadija. Ah, tu es musulmane? Oui. Tu habites où? Le métier 16e. Tu étudies à quelle école? Institut Mwanda. Juste là. Ah, juste ici, hein? Oui. C'est où dans votre centre? Bakanza, Institut Bakanza. Bakanza. Au 20 du centre, vous êtes venu à l'école? Ah oui. Comment s'est passé l'examen? Très bien, et dans de bonnes conditions. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Mmh. Donc, dans de bonnes conditions. De bonnes conditions? Mmh. Bon. Ce n'est pas... Donc, on l'examen avant, ça s'est bien passé. Oui. Ce n'était pas compliqué. Bon, ce n'était pas compliqué, hein. Mais on a seulement respecté la règle. Mmh. Certains ont dit que vous avez commencé l'examen en retard à 11h. Vous avez juste une heure du temps pour travailler, c'est vrai? Mmh. C'est ton macaron à l'aise. Oui, tout en l'aise. C'était... Bon, la première jour. La première jour que j'avais eu les macarons. Le même jour, le matin ou hier, le soir? C'était à la veille. C'est moi qui n'avais pas eu le temps pour venir ici à l'école. Mmh, tu es venu prendre ça directement ici, oui, à l'école. Et puis, le premier jour, tu as fait quel examen? C'était, si je m'en souviens, c'était quoi? C'était quoi? Culture générale. C'était bien passé? Oui, c'est très bien passé. Et le deuxième jour? Le deuxième jour, c'était biologie et chimie. Biochimie? Oui. Tu fais quelle option comme ça? Biochimie. Biochimie. Et toi aussi? Non, pédagogie. Tu fais pédagogie? Oui. Comment s'est passé le deuxième jour? Les examens se sont bien passés, sauf qu'il y a une petite discussion là-bas au centre, mais ça s'est bien passé quand même. Quel genre de discussion comme ça? Bon, du genre que les surveillants nous contrôlaient un peu. Ils étaient un peu sévères? Oui. Par rapport à... Bon, parce qu'il y avait d'autres élèves qui avaient un peu de dos dans leur poche, oui. On les a arrêtés? Oui. On les a arrêtés. Ils n'ont pas continué les examens? Non, ils ont continué, non. On a eu seulement les noms. Après, oui, c'est tout. Vraiment. Tu étais au maquis? Oui. Tu étais où c'est? À l'école. Tu étais à combien au maquis? J'étais au nombre de 11 ou 12 comme ça. Au maquis? Bon, oui. Excusez, demoiselle. Mmh. Ce n'était pas du tout le maquis. Hein? C'était juste avant les 4 jours. Mmh. Pas le préfet, mais nous les élèves, hein, on s'est dit, parce que c'était aussi pendant le mois de Ramadan, l'école islamique, on s'est dit de venir se préparer nous tous ensemble ici, mais c'était pas du tout le maquis, on peut l'appeler l'encadrement. C'était ça. Oui. Oui. Donc vous n'étiez pas en train d'habiter là-bas? Non, 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 non. On venait, on rentrait, oui. Quel a été le cours qui a été un peu facile pour toi? Je crois français. Français? Oui. C'était compliqué? Non, pas compliqué, facile. Mais c'était facile? Oui. Et qui était difficile? Anglais. Anglais et physique. Pourquoi? Parce que c'est pas notre langue? Non, c'est pas notre langue, bien sûr, mais c'était un peu difficile. Un peu difficile? Oui. Maintenant, comment tu as trouvé l'organisation cette année par rapport aux examens d'État? Non, l'organisation s'est bien passée. Il y avait des suivis, on nous contrôlait tout le temps. Donc ça s'est bien passé. Tout. À l'université, tu iras à quelle université? Je crois que c'est une université islamique. Islamique? L'UIM. C'est ici à Kassavou. Tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire là? Informatique des gestes. Tu ne peux pas aller à l'ISIPA? Non. Même pas aller à l'ESMICA? Non. Vraiment, tu veux savoir votre université des musulmans? Oui, parce que je suis musulman. Vraiment. Ok, d'accord. C'était comment le nom de chez vous? Saïdi Kapiam. Saïdi Kapiam, va. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Hein. De rien. Vous avez... Lingala. Ah, il y a Lingala, hein? Là, congolais. L'anglais, il y a des gens qui sont en train de se faire. Bonjour, Yaya. Bonjour, Ndik. Comment on a dit Loubert? Dis Loubert. Dis Lou. Dis Lou. Il peut t'en avoir un mandat. Aussi, Bakanja, pour nous, tu sais, c'était un Bakanja, tu travailles.
C'est l'option. Pédagogie. Pédagogie. Et là, on est compliqué. On a cours, on est au salaire 4 jours. On a troisième jour, c'est un peu compliqué. Trois jours, on est allé. Les acquis bien, mais troisième jour, les acquis, c'est vraiment facile. Jour, on est un peu difficile pour nous. On a 4 jours, là. On a 2 jours, on y passe. On a 2 jours à péter. Qu'est-ce que tu as ajouté? Comme quoi? Je salue la famille. La famille. Barouani Maïsa. La famille Kumbakisaka en général. Oui. Je salue ma famille Zulu Amoke. Je salue mon cher mari, je l'aime beaucoup. Maïsa Barouani. Merci. Il est toujours ici à Kinshasa. Je salue mon oncle Chabani Garçon Bobo. Je salue mon oncle Jubelko en Angola et ma tante Saminata. Je vous aime beaucoup. Elle est déjà fiancée. C'est anglais qui était difficile. Mais français c'était bien. Le français, on parle le français. L'anglais c'est un peu compliqué, ça se comprend. Mais pour lire les thèmes d'anglais, mais c'était difficile. Mais français, j'ai travaillé bien. Mais c'est anglais qui était compliqué. Ouais. Tu as payé tes frères facilement, tu es en ordre comme tu es là. Oui. J'ai payé l'argent de participation d'examen d'État. C'était à combien par ça? C'était 28 000 francs. C'était 28 000 francs, oui. Pour participer, pour avoir macaron. Ouais. Tu avais eu ça quand, ton macaron? J'avais eu ça samedi en 18h. Ah, tu l'as déjà reçu le samedi? Oui. Dimanche, tu l'avais à la maison et puis le lundi, tu venais avec à l'école? Ouais. Tu peux nous donner comme simple remarque par rapport à l'organisation? Ouais. Pour l'organisation au niveau de l'État. Organisation du niveau de l'État? Si quelque chose qui s'est mal passé, non. Très bien. L'examen s'était passé très bien, oui. Pas de problème pour l'examen, c'était passé. Et à l'université, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais faire droit. Le droit? Oui. Où c'est? À l'UPC? Ouais. À l'UPC? Non. Où c'est? Au campus? Droit, je vais faire sur le campus, non. Toi, des personnes à saluer? Ouais, j'ai sali mon grand frère Ibrahim qui est aux États-Unis. Aussi, j'ai sali des familles Kapulut. Aussi, tous mes potes qui on a fait l'examen avec elle, et aussi les filles. Je les salue à tous. Ok, une question générale, hein, excusez-moi. Souvent, dans les années antérieures,
dès que vous finissez les examens, vous allez quelque part prendre de l'alcool, boire du sucré et puis s'amuser. Mais je vous ai trouvé ici très calme, mais on est en train de causer. Et puis, il y a une par une qui part chez eux. Pourquoi vous avez changé? D'abord, les musulmans. Oui, d'abord, il faut savoir que nous sommes d'abord une école islamique. Et en plus de cela, on ne peut pas chanter la victoire avant la guerre. Donc, nous sommes en attente, sachant que non, petit à petit, nous aurons notre résultat, en attente du résultat. Nous devons d'abord se concentrer spirituellement pour demander à Dieu de pouvoir agir au lieu de faire de n'importe quoi, or que nous risquerons d'ailleurs de gâcher notre chance qui est en cours. C'est comment ton nom? Je m'appelle Gédéon. Gédéon, oui. Tu as fait quelle option comme ça? Donc, j'ai fait la commerciale administrative. Commerciale? C'est bien passé, la comptabilité n'était pas compliquée la tête? Bon, je ne dirais pas que ça n'a pas été compliqué. Ça a été facile, mais à un moment donné, ça a été compliqué. Parce qu'il y a des questions, des années antérieures qui se sont intervenues. Mais par la grâce de Dieu, nous avons quand même bien essayé de présenter notre examen. Tu veux toujours partir à l'ISC? Je compte partir à l'ISC, mais il y a des universités qui me viennent d'abord dans ma tête. Mais je serai un peu du réfléchir. Tu vas faire quoi là-bas, à l'ISC ou à l'université que tu vas choisir? Si seulement par la grâce de Dieu, j'étudie ici en RDC, je ferai les sciences économiques. Mais si j'étudie en dehors de la République démocratique du Congo, je ferai l'ingénierie en informatique des réseaux. Vraiment, je suis vraiment contente de trouver qu'on a quand même des cadres comme toi, par exemple, comme certains que je viens de poser des questions. Moi, tu m'as donné beaucoup de joie. Merci beaucoup. Okay, merci. Alors, je vais saluer d'abord l'équipe technique de votre chaîne qui a permis à ce que ces images parviennent les téléspectateurs à la maison. Et deuxièmement, je vais d'abord dire merci au bon Dieu pour avoir permis cette occasion. Pour la troisième fois, je dis remercie à mes collègues qui m'ont soutenu toute l'année et puis nos professeurs qui n'ont jamais cessé de nous encadrer. Jour et nuit, ils se sont sacrifiés pour nous. Je leur dis merci, je les salue aussi. Je salue mes petits frères à la maison. Cette année, je l'appelle souvent Striker. Je salue aussi Hervé, mon petit frère, donc ma mère, je les aime tous. Merci. À la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Voilà que nous sommes à la fin de cette émission. Aujourd'hui, on avait comme sujet les exétats à Kinshasa. Comment se passent les exétats à Kinshasa? Aujourd'hui, c'est le quatrième jour. Alors, équipe de notre technique mobile, il y a Congo Gold TV, et Tamboy comment bah centre qu'il y a à Kinshasa pour nous que ben ni ba en classe ba les qui examen est en bango ndeni parce que ba remarque les qui ndeni ni pour chaque année tous là on a différentes sortes d'organisations et c'est pas ça na mboka na biso yango lelo to pintima ki peke 4e jour to tala na souka ndeni marambezo kende tambola ki na ba école belé le to souka na lycée au besoin na simalangai awa sous que botali bo moni mutu mutu moko moko o alobi concernant examen est bien nickel qui bien makamu c'est l'équipe bien de bo moni ki to bim sa ba cadre plus tard moko bon rara Déjà à ces pays. Tant que ça là que à suite, à quoi est venu, on se voit quoi, on va terrasser, on a vivant, on prend mon zone à 2003, mais c'est en 2003, on a dû en petit à l'emba. Donc, à quoi on a terrassé, on a mis sur notre téléphone, et quoi à côté, tous côté, pour un nini, pour tous les lacatés, que tous les là-bas résultats, et bim, et bon, on a ces pays. Pour l'on surtout, et ça là, mais là, on a vu à moutou, à ces pays là, en haut. Voilà, na seli bino musa na bino vraiment ya bino ye humble sangota bino Sandrine Mungoza na seli bino musa na bino kana na kada musa to lemba te ko tambola par ci par là sujet à l'élo de ça là qui monte ça sujet me sous plus tard. Oh bon, c'est pas un peu car je remercie encore mon équipe technique. D'abord, je commence par mon boss, d'abord Michel Mbayabo. Merci beaucoup de l'opportunité. Merci beaucoup. Vraiment, et ça l'inga bien gamo nous. Quand on voit la cour, quand on est jeune frère, on a un jeune soeur, 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 on a un jeune soe
Donc c'est un peu ça. Kagoul Machine, vraiment merci beaucoup. Nous allons toujours là pour nos sujets. Nous allons bien directement aux Alarana pour nous filmer. Ce beau moment, image est vraiment très bien propre. C'est bien. Merci vraiment à Kagoul Machine. Vraiment, tout le monde est très prochainement. Maintenant, tout va être à la vie de partout dans le monde. Mais si vous merci. Oh, quoi, on a les bacs, on a le sujet. Oh, on a le sujet. Merci. Si vous avez un sujet, numéro, on a un téléphone, il y a machine, il y a place aux Olandanga. Bien, on a un numéro, on a un WhatsApp, il y a surtout un WhatsApp. Mais comme il y a un remarque, il y a un sujet. Puis, si vous avez un sujet, au moins, on a un sujet plus tard. Au moins, on a un sujet. Merci beaucoup. Tout le monde est très prochainement. Bye. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.